Écoute, on parle d'une belle victoire. Vous autres, les coachs, là, comment vous la vivez, cette victoire-là? Bien, le point qui est le plus intéressant pour les entraîneurs, c'est qu'on a demandé des gros sacrifices à nos joueurs cette semaine. Les gars sont partis, ont eu 2 jours de congé. Là, ils sont allés se faire gâter par leurs parents. Puis après ça, ils sont revenus, mais au lieu d'avoir des pratiques normales de 2 heures, ils rentraient à 5 heures au travail finalement, puis on finissait à 9 heures le soir. Dans leur semaine de relâche. Fait que ça, c'était des gros sacrifices. Puis c'est pas, t'es pas là, puis tu regardes le plafond là, quand t'es sur le terrain de football. Là. Puis les gars ont fourni des très, très bons efforts, puis ils étaient vraiment préparés mentalement, puis ils travaillaient. Puis ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir ça, puis c'est la première semaine où on a ça sur un aussi grand nombre d'heures. J'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est un match intéressant, un spectacle intéressant. Vraiment, là, c'est du bonbon ce soir-là. Oui, non, c'est sûr. Puis les garçons, puis les coachs, tout le monde va se rappeler ce match-là pour plusieurs années. Là. Puis pour savoir que le travail qu'on a fait dans la semaine a porté fruit, là, ça, c'est quelque chose que si ces jeunes-là peuvent garder le restant de leur jour, même si on ne gagne plus un match, là, ils ont ça. Là. C'est super bon pour eux autres. C'est une des bonnes soirées dans les dernières années, ça? Oui, mais moi, il y a d'autres matchs, là, peut-être que les gens ont oublié, mais il y a des matchs contre CNDF, il y a des matchs contre Sherbrooke, il y a eu des matchs là, vraiment intenses jusqu'à la fin où le jeu était bon. Mais là c'était un très, très beau match. Là. C'est un dans mes top 3, là. Excellent. À Rimouski. Tu nous parlais cette semaine là, de la progression de l'équipe et tout ça. Donc, comme je dis, c'est vraiment un cadeau pour les coachs. Là. Ben oui, non. De voir la ça avance. Ben oui, c'est important. Là. On ne prêche pas dans le désert. Là. Il y a quelque chose qui... C'est concret. Oui, les choses qui arrivent. Puis ça, ben, c'est important parce que depuis le début de l'année, on leur dit si on fait ça, on va arriver à ça. Si on fait ça, on va arriver à ça. Puis là, on arrive à des choses. Là. Le match de la semaine passée, c'était notre meilleur match en 2 ans. Celui-là vient de battre celui de la semaine passée. Les jeunes sont en contrôle, même si au début, ça n'a pas bien parti. Hein, pour l'attaque, on s'est fait brasser pas mal. La défensive s'est fait brasser quand même tout le long. Mais l'effort du groupe au total dans les 60 minutes, ça a donné une victoire pour notre équipe. Thomas a parlé beaucoup, Thomas Achard, de l'appui de sa ligne. Une guerre de tranchées, mais je veux dire, correctement, là, bien fait. Oui, non, mais c'est ça. Il y a eu des blocs assez incroyables. Thomas, il a couru des verges et des verges. Il n'y a pas personne qui lui touchait. Là. Il est capable d'en gagner tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné ici, là, il a traîné du monde là, pendant 10 verges. Fait que ça, on est vraiment content que Thomas puisse nous aider comme ça. Puis la ligne à l'attaque, c'est une jeune ligne. Puis ça, c'est pas facile de tout comprendre là, ce qu'il y a à faire, tous les jeux qu'on fait, tous les ajustements dans la semaine. Il faut leur lever notre chapeau. Là. Messieurs, je sais que dans le football, à la fin de la dernière possession, vous avez décidé de mettre le genou au sol. Oui. Il y avait aussi un autre enjeu qui était donné par un certain écart. Il y avait le 14 points. Est-ce que tu y as pensé ou est-ce que ça pouvait se faire? Oui, mais tout ça mélangé, ça commençait à être un peu trop compliqué. Mais finalement, nous, parce que s'il faut qu'Alma perde aussi la semaine prochaine, si Alma ne perd pas, en tout cas, on aime mieux battre Drummondville, là, puis ça va bien aller. OK. Mais avec la victoire de ce soir, ça donne un méchant bonheur d'aller pour battre Drummondville. Mais ça continue avec notre semaine, la semaine passée, cette semaine, on continue. Coach Avon souligne tout le temps là, qu'on faut faire un pas à chaque semaine, mais là, on les fait. Fait que c'est super le fun pour ça. Est-ce que tu penses en faire une habitude, donner 2 jours de congé comme ça, vu que ça non. fonctionne quand même assez bien? Non, mais c'est pas ça. Ça prend 3 jours là, de 5 heures à 9 heures. Là. C'est pas bon pour les coachs, pas bon pour les enfants des coachs, pas bon pour le cœur des coachs, c'est pas bon pour un paquet de personnes. C'est-à-dire qu'eux, le jour où ils pouvaient dormir, mais nous autres, on dormait pas. Là. On avait notre boulot à faire. C'est bon. Merci, c'est bon. Surtout que ça dort très bien.